Je me sens ridicule. Alors là, je crois qu'on va se bidonner. Ok, je gère. Faut que je retrouve mon esprit animal. Ah, ah putain. Ah, c'est quoi ça? C'est... Ah, merde. Ok, je reste calme. Respire. Je vous tiens, petite salope. Idée à la con. J'emmerde Ignatius et sa mère. Ah. Et c'est un autre étang. T'as déjà dû pomper toutes les sangsues de celui-là. On dirait que ça fait mal. À certains endroits bien précis. Oui. Une dernière chose. Tu dois boire toute la bouteille de phytotoxine. Toute la bouteille? Pourquoi? Il faut qu'on sature les sangsues de ce médicament. Comme ça, quand on les posera sur Ignatius, le produit se diffusera dans son sang. Pas sûr que les sangsues fonctionnent comme ça. Oh, donc tu es spécialiste en sangsues. C'est pas toi qui es à poil, alors laisse-moi au moins dire ce que je pense avant de me faire vampiriser par des limaces. Il faut qu'on te ramène auprès d'Ignatius avant que tu perdes trop de sang. Hey, attends! T'as pas l'air bien du tout. Est-ce que ça va? Tout a l'air trop génial. Coco, t'as perdu ton chemin? Où est Wendy? On joue à chat. Allez, c'est toi le chat. Quoi, cette merde? Je suis pas dans le bon burrito, trop femme. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Par ici, c'est tout pourri. Comment je vais arranger ça? Je sais, tu la laves. Viens me chercher. Ah bonjour. Tout dans ma tête, la mérée. Oh putain, j'ai des sangsues partout en cours. Oh putain, personne vient m'aider. Tu n'es pas si rapide. Mets cette putain de crème dans le panier. J'espère que ça t'embête pas. Des squelettes? La phytotoxine a des putains d'effets secondaires. Oh, tu veux pas jouer avec mes copains? Ils sont faibles. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Le soigne à roulette. Allez, on joue encore. Suis-moi. Comment que je peux aller là-bas? Les sangsues, tu bois la potion, et là t'auras le droit. Allez, accélère un peu. J'ai fait médecine, pas prépa ombre. Jouer ailleurs.
t'es une pom-pom girl ninja? Je retire ce que j'ai dit. La fille de Zontusine, c'est génial. Allez! Hé, hey, Fitzy, t'as déjà rencontré mes amis? Ouais, moi non plus, je sais pas trop qui c'est. Hit! On a pas fini de jouer! Je sens plus mes lèvres. Qui a oué mes lèvres? Wendy! Oh mon Dieu, c'est vraiment toi! Je crois que les sensus sont gavés de produits. On va te les retirer et les mettre sur Ignatius. Dépêche-toi! Le feu de Satan s'est éteint. Tu as ta place dans le panthéon des héros de Far Garcia et tu es un médecin hors pair. Tu pourrais peut-être examiner ce bouton purulent que j'ai sur la... Non, non, je ne travaille que pour les rois. Désolé, c'est la loi. Le roi survécu, grâce au patient, il trouva le salut. J'étais sûr qu'il allait enfin clamser. Mais j'avais dans sa fiche. Silence, Happy. C'est Chandler qui m'a forcé. Moi, j'ai jamais voulu faire le barde, je vous jure. Viens, approche, chevalier de Far Garcia. Tu nous as ramené du glacial royaume des morts. Or donc, nous te devons une faveur. Génial, sire. Le général Brilcrim a dit que vous pourriez me construire un bateau. Laisse-nous donc les plans. Si comme faveur, nous mais... les étudierons. Reviens-nous demain. Et conseils, nous te prodiguerons. Sur le bahut du bord, yop là-haut, une bouteille. Non, mais t'en fais pas, j'ai rien bu. Rien du tout. Reviens à la base, tu vas adorer ce que j'ai là. Il nous faut encore quelques ingrédients. Bouge-toi et va les chercher.
Vite, mon chou. J'ai un nouveau matos. J'ai de nouveaux styles parfaits pour toi. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pensé. Avec toutes ces différentes factions en ville, peut-être que les overdosés ne sont pas les seuls à avoir changé. On dirait que les survivants aussi sont plus les mêmes. Toi en particulier. J'ai changé en mieux, j'espère. À toi de voir. En tout cas, cet apocalypse fait faire des trucs vraiment chelous à tout le monde. Et j'adore ça. Tu me réserves. Paquet de fric, je devrais m'acheter un gun. Ta mère, je suis la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Déconne pas!
Coupez-moi, j'adore casser des trucs. Appelez une ambulance. Encore des overdosés!
des orphelins. T'as craqué ou quoi? C'est au cas où quelqu'un nous écoute, du con. Arrête de parler. Et pourquoi tu... Allez, ramène-toi. On a des rushs à préparer. J'ai un paquet de fric. Je devrais m'acheter un gun. J'ai construit un nouveau flingue, une vraie œuvre d'art. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Combat les robots de Fisco avec leurs propres armes. Ça fait vraiment mal de la voir partir à ce prix. Et reviens vite, hein. Enfin, pas trop vite non plus. Les gens pourraient croire des trucs. Norton s'est transformé en dragon et a essayé de cramer tout le monde. Tu sais ce que je ferais si je me transformais en dragon? Ce bateau est plus en état de naviguer. Je prendrais mon pied. Mais on dirait que le moteur marche encore. On pourrait donc faire passer notre production de rush au niveau supérieur. Qu'est-ce t'en dis? J'en ai une sur le pont arrière. Une là-haut, au milieu. J'ai disposé les barricades du mieux que je pouvais. Il y en a côté port. J'ai aussi barricadé la baie de chargement à l'arrière. J'ai même barricadé un tribord. On n'est jamais trop prudent. C'est pas mal d'utiliser toute cette puissance. Si t'as besoin d'en récupérer, tu n'as qu'à ramasser un piège déjà posé. C'est parti! Hé, continue ce que t'es en train de faire. Et moi, il me suffit de pas penser à Walter. We'll be right back.
droit devant. Des pirates, on se fait attaquer. Ah, on va se faire aborder. Ne pourra couler ce navire de guerre. Vite, mon chou. J'ai de nouveaux styles parfaits pour toi, Ata. Enfin, détail. Tu me diras si ces rushs ont bien marché pour toi. Longue vie au roi Ignatius. Nous nécessitons une chose avant de travailler sur ton navire. Je vous écoute. Tu dois nous aider à détruire les malandrins qui ont osé piller nos réserves. Mais je vous ai trouvé de la nourriture. Ils ont aussi dérobé l'artefact le plus précieux de notre royaume, la couronne de Fargarcia. Ok. Mais vous feriez mieux d'avoir des flingues. Non. Nous ne ternirons jamais notre honneur avec une telle sorcellerie. Sire, c'est complètement con. Nous sommes le roi. Par définition, nous prenons toujours la bonne décision. Une fois la victoire acquise, nous construirons ton navire. Au combat! Ignatius est en train de rallier les chevaliers, mais il y a un problème. Larry le lépreux est parti chercher une figure de proue et il n'est pas revenu. Larry le lépreux? Non. Plus de sangsue et de sirop pour la toux. Je le referai pas deux fois. T'inquiète, il est pas contagieux. Enfin, je crois pas. Va à la petite ville commerçante, sur la côte. Trouve la figure de proue. Arrête de bouger, putain!
Alors toi, tu vas morfler. Oh merde, la lèpre est en train de se répandre. Larry, t'es là ? Larry ? Larry le lépreux ? Je suis pas lépreux. Ignatius m'appelle comme ça parce que j'ai refilé des morbacs à sa sœur. Eh ben, lui, t'as refilé une mission bien pourrie. Où est la figure de pro ? C'est eux qui l'ont prise. Qui ça, eux ? Ils sont partout. Comparé à ici, l'enfer, c'est le paradis. Ça, une tête de tricératops ?
attention. Bienvenue à toi, paladin. Ainsi, tu as trouvé la figure de proue. Au fait, Larry est mort. Une fois de plus, la lèpre emporte l'un des nôtres. Pied de moule, prends donc la figure de proue et fixe-la sur cet engin de siège. Fargarciens, préparez-vous au combat! Vous osez attaquer les Fargarciens? Pour le royaume de Fargarcia. Vous osez attaquer les Fargarciens, ça va faire du bruit! Tu vas tâter de mon père! Notre honneur!
campagne se déroule sans accroc. Ils se sont retranchés dans la queue du dragon. Ouais, mais il y a des barricades à franchir. Nous avons la solution pour ça. Nous t'en prions, paladin. Escorte-nous jusqu'au mur. Regardez, c'est Merlin avec sa bande de losers. Venez avec vos épées en mousse. Fall ! Paladin, utilise tes missiles magiques pour détruire ces projectiles. Vise les tirs de canon avant qu'ils ne touchent notre engin de siège. Prends ça, serpillé ravinasse! Paladin, frappe le bélier puissamment!
chercher. Mon roi, une horde de bêtes s'approche. Oui, et leur laideur est sans pareil. Paladin, nous allons contenir la horde. Déclenche les feux d'artifice. Mets le feu à son château. C'est mon attraction, château. Massacre-le. Dieu te garde, paladin! Les créatures attaquent depuis les eaux! Sur les feux d'artifice, paladin. Ah ah! Tes pieds de filou sont en train de rôtir. Tu te rends? Me rendre à une bande de geeks? Jamais! Alors tu serviras de pitance au ver. On va te trucider! Va crever, geek! Tu ces fils de catin dans leur château! Nos prières sont avec toi! Tire sur les feux d'artifice, paladin! Allumer des feux, hein? Je vais te réduire en cendres! Nous avons foi en toi, paladin! Pour toi, ce n'est qu'un mini-boss! Un mini-boss? Je suis un putain de maxi-boss! Je suis le roi Scab! Vous êtes tous à moi! Thank you.
égratignure. Tu n'arriveras jamais à abîmer mon wagon renforcé au titane, imbécile. Par ici, paladin. Prends la figure de proue. Prends sa crevure. Prends la figure de proue et garde-lui dans le fossier. Ignatius sauvé, Fargacia libéré, notre paladin causa un scandale. Il pensait pouvoir aider la royauté à se faire dépuceler. La victoire est nôtre en ce jour, et ce n'aurait jamais été possible sans notre paladin. Et l'heure est venue pour notre paladin de nous quitter. Si vous avez besoin de moi, envoyez un corbeau ou un autre piaf. Allons-y, nos bons gueux. Rentrons donc à Fargacia et que l'hydromel coule à flot. Et pour mon bateau? Retrouvons-nous au château dès demain. Nous commencerons à construire de rechef. Nous t'attendons à la base, la flotte est prête.